Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore on va parler un peu du chapitre 4. J'ai trouvé des nouvelles preuves. Et aussi après on va faire ce que je vous avais promis. Je vous avais dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse les dialogues secrets du héros? Et vous m'avez dit oui, donc du coup on va les faire. Avant toute chose la famille, merci à ceux qui lâchent un like à chaque fois, à ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça m'aide énormément. Vous êtes les boss. Merci à ceux qui utilisent le code Nanas dans la boutique. Nanas comme la chaîne YouTube, il y a plus de X comme la chaîne YouTube. Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent, ça me fait super plaisir vraiment. Et surtout on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc les gars, j'ai trouvé une nouvelle preuve pour le chapitre 4. En fait, on a eu un nouvel onglet actualité pour les quêtes du skin potiron chromé. Donc en fait, vous savez, il y a le sac à dos, il y a l'écran de chargement, il y a le skin. Peut-être que j'oublie un truc, bref. Et donc du coup, sur l'onglet actualité de Fortnite, ils ont mis à jour et ils ont dit quête de potiron chromé, le début de la fin. Ça veut tout dire les gars, le début de la fin. C'est la fin en fait les gars du chapitre et on va passer au chapitre 4. Je suis désolé, mais vraiment, ça ne fait que se confirmer avec les quêtes qu'on a de plus en plus, Donc du coup, moi, vraiment, je vous le dis les gars, avec tout ce que je vous montre, vous pouvez pas me dire il se passe pas quelque chose. Parce que j'ai vu beaucoup de gens m'attaquer, me dire Anas tu dis n'importe quoi. Ça a été encore confirmé qu'il y aura pas de chapitre 4, qu'on va passer à la saison 5. Oui mais moi j'ai envie d'y croire et avec tout ce que je vous ai montré les gars, j'y crois, franchement j'y crois. Donc on verra, de toute façon on est pas loin de la fin de saison. La vérité ça passe super vite, il nous reste qu'à peu près un mois avant la fin de saison. Il faut enlever à peu près une semaine, parce que la semaine de la nouvelle saison, c'est là où on aura l'annonce de l'event, etc. Dans 3 semaines, on passe aux choses sérieuses et on sera à peu près fixé sur est-ce qu'on va passer à un nouveau chapitre ou pas. Donc les gars, dans une dernière vidéo, je vous avais dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse les dialogues secrets du skin de l'héros? Vous m'avez dit oui, c'est parti, on se retrouve en jeu pour faire les dialogues secrets du skin de l'héros. Ok, du coup les gars, on se retrouve avec l'héros, et donc du coup, on va faire tous les personnages, on va voir ce qu'ils disent quand on parle avec l'héros, avec eux, pour voir les dialogues secrets, etc. Parce que vous m'aviez dit, ça vous intéresse. Donc du coup, on va commencer les gars par Poiskai, qui du coup nous dit, Poiskai agite un mixeur automatiquement avec un air menaçant. Alors attends, est-ce que lui, je l'ai en tant que personnage dans ma collection? Donc je crois que c'était le dialogue secret, avec un air menaçant. Ok, donc il menace l'héros, il a pas peur. On va passer à un autre skin. Ok, alors ce skin, je sais plus comment il s'appelle, mais je pense qu'il a un dialogue secret. Donc c'est gardienne de bétail. Vous êtes une mauvaise herbe, ça se sent. Ah, elle sent que l'héros, c'est une mauvaise herbe qui se répand sur la carte et qui va tout péter. Alors là, du coup, les gars, on a Kyle. J'ai mis des murs parce qu'il y a des loups qui me suivent. Et du coup, il nous dit, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Oh, donc il y a bien, il y a bien des dialogues secrets avec tous les personnages. C'est ce que je vous avais dit, les gars. Donc du coup, on va passer à un autre personnage. Ok, les gars, ici on a Terreur des plages. Si on lui parle, elle nous dit quitte à choisir, je préfère servir les héros. Ah, héros avec un O, pas avec A-U-L-T. Ok, donc elle aussi, il y a un dialogue secret avec l'héros. Donc en fait, elle préfère être du côté des gentils et non pas des méchants. Bon, du coup, les gars, je le savais pas, mais confrérie du bas haut, il est dans le bunker. Et donc, du coup, il me faut une clé pour rentrer. Je savais pas du tout qu'il y avait des personnages comme ça qui spawnaient à des endroits où il faut une clé. Bon, on va trouver une clé. Voilà, il suffisait de demander. Voilà, alors on va ouvrir. Peut-être que le dialogue secret sera plus intéressant comme il est un peu galère à avoir. Voilà, confrérie du bas haut. Ils ont des baos de là où vous venez. Ah, donc il sait qu'elle est pas de cette map. Ok. Bon, mais là, pour l'instant, les dialogues secrets, vous l'avez vu, les gars, ils sont pas incroyables non plus. Hein. Vraiment, ils sont pas incroyables. Mais on va les enchaîner, vous allez voir, on va tous les faire. Alors ensuite, les gars, on a Foutu Volant qui nous dit, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ils menacent tous l'héros quand même, c'est un truc de dingue. C'est elle qui est censée les menacer, mais c'est eux qui la menacent. C'est aberrant. Il y a les personnages de Star Wars, je me demande s'ils ont un dialogue secret avec elle. Circuler. Ok. Et lui, ça doit être la même chose, j'imagine. Voilà. Bon, il n'y a pas de dialogue secret. Ok. Je me demandais quand même, on sait jamais. Ok les gars, donc je viens de capter un truc. La maison de Miaus Clay n'est plus là parce que je voulais voir les dialogues secrets avec Miaus Clay. Mais en fait c'est devenu la maison de Truc Williams, je sais plus comment il s'appelle exactement. Et donc du coup il n'y a plus Miaus Clay. Donc je viens de capter. Donc du coup on va faire d'autres personnes. Ok, du coup les gars, on va parler à Taco Truc là. On va voir s'il y a un dialogue secret. Donc Guaco, quand je vous vois, j'ai juste envie de prendre ma retraite. Voilà, donc en gros il nous a dit que lui il a envie de prendre sa retraite quand il nous voit. Donc c'est un dialogue secret avec avec l'héros. Ok, du coup les gars, je me retrouve avec Gatom Arrow Kirills. On va voir le dialogue secret. On va repousser le néant comme dans du beurre. Ah, donc lui carrément, Gatom, il sait que le néant, c'est une personne, puisqu'il dit on va le repousser. Je pense pas qu'il pourrait repousser la fin du monde, tu vois. Donc lui, il sait que, voilà, le néant, c'est une personne. D'accord, donc vous, Gatom, il est au courant de trois trucs, quand même. Hein. Il est au courant de 2-3 trucs. Ok, du coup, les gars, je me retrouve avec Soigné, qui fait des dabs en 2022. La honte. Bref, donc du coup, il nous dit, et vous croyez assez rapide. Ah ouais, donc lui, carrément, il la challenge avec la course, parce que, si vous l'avez compris, c'est un personnage de course. C'est le mec qui fait des dabs en 2022 quand même. Ok, du coup les gars, je me retrouve à bord Jonesy. Alors je vais pas faire tous les Jonesy parce que par exemple Jonesy du bunker, il est super rare à trouver. Mais on va faire déjà Jonesy originel qui nous dit je vous surveille. Ah oui,
De toute façon, les gars, tous les dialogues secrets de tous les Jonesy, c'est je vous surveille. Il y a juste le gros Jonesy qui dit je crois que je suis censé vous surveiller, un truc comme ça, parce qu'il est un peu bête. Voilà, mais sinon, je vais pas faire Jonesy du bunker parce que. Et les autres, parce que vraiment, les gars, ils sont trop compliqués à trouver. Vraiment, tu dois lancer genre facilement 15-20 games pour tomber dessus. Donc moi, j'abandonne déjà, je vais pas le faire. En tout cas, tous les Jonesy disent à peu près je vous surveille, donc y a rien de ouf. Franchement, y a rien de ouf. Ok, du coup, les gars, je me retrouve avec Solaire qui nous dit ce que vous annoncez finira par vous consumer vous aussi. Ah ouais, pas mal. Ah, ça veut peut-être dire que le néant, il va manger l'héros pour atteindre sa puissance maximale, peut-être. C'est possible, hein. Parce qu'elle dit, ce que vous annoncez finira par vous consumer vous aussi. Donc peut-être que l'héros, elle est là juste pour annoncer, mais elle va se sacrifier pour que le néant arrive. C'est grave possible. Et le dialogue secret, lui, il est super intéressant. Et du coup, les gars, on va aller voir Evie, parce que je crois pas avoir montré le dialogue de Evie. Allez, c'est parti, les gars, pour voir Evie avec l'héros qui nous dit, vous n'apportez pas la paix, vous apportez le néant. Donc elle aussi parle du néant, hein. Elle aussi parle du néant. Donc intéressant. Donc c'était tous les dialogues secrets avec l'héros. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé. Et du coup je vous avais dit voilà, si ça vous intéresse on le fait. Je l'ai fait parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit Anas fais-le, ça nous intéresse. Donc du coup j'espère que vous avez kiffé les gars. On passe à la suite de la vidéo s'il y a une suite. Je me rappelle plus. Donc les gars, comme vous le savez, moi vous le savez maintenant, je suis à fond avec le chapitre 4. Mais donc du coup, c'est vrai que moi je serais déçu qu'on n'ait toujours pas su qu'est-ce qu'il y a en dessous de la statue de la fondation. Parce que, faut pas l'oublier, il y a un bunker secret avec deux grandes portes des deux côtés. Alors moi, je pense qu'il y a moyen que pendant l'event, on aille dans ce bunker là. Donc qu'on le découvre pendant l'event. Mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup de secrets dont on n'aura pas eu de réponse si on passe au chapitre 4. Je pense aussi aux gigantesques portes à la bamboche. Il y a des gigantesques portes. Et on sait pas à quoi elles servent et on saura jamais à quoi elles serviront si on va passer au chapitre 4. C'est un peu dommage. Et aussi le bunker de la fondation et aussi 2-3 autres trucs. Mais voilà, en tout cas, même s'il reste ces mystères là, je pense qu'on peut passer au chapitre 4. La map vraiment elle commence à être redondante. Et vraiment les gars, Fortnite savent que la map a perdu en... on n'est plus à l'époque du début de chapitre 3 où vraiment on était hype, etc. Là vraiment il y a beaucoup de joueurs qui décrochent, etc. Donc vraiment ils sont obligés de lancer un nouveau chapitre. C'est pour ça que moi je fais la fixette autour du chapitre 4. Ce soit la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. C'était une courte vidéo, je sais, mais j'espère que demain on aura la suite des quêtes de l'histoire qui m'étonnerait. Mais j'espère que du coup, pas ce mardi, mais l'autre, on aura les quêtes de l'histoire. Vraiment, il faut absolument qu'on ait les quêtes de l'histoire. Ils nous avaient teasé qu'on allait avoir la suite, et du coup, depuis, on n'a rien eu, tu vois, ça fait plus d'un mois. Donc vraiment, c'est catastrophique. Et je crois que Fortnite ont complètement abandonné les quêtes, enfin, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, il me tarde d'avoir la suite des quêtes de l'histoire pour en savoir un peu plus et pour qu'on ait peut-être des indices sur la fin du chapitre ou pas. Voilà. Bref, du coup, je vous tiens informé. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.